Bonjour à tous les potes, très heureux de vous retrouver et avant que les tots arrivent, dans 24 heures pour être précis sur ma montre imaginaire, eh bien nous allons réussir le World Record en Draft, le 127, 94 de notes, 33 de collectif, on va directement se retrouver sur le menu du jeu. Le premier objectif de la vidéo, vous le savez, c'est de réussir le 127, mais le deuxième, c'est de faire la full icône avec full collectif, ce sera incroyable. Et on va commencer la vidéo avec une formation innovante que l'on n'a jamais testée, le 4-3-1-2. En tout cas, on l'a testé, mais ça fait depuis bien longtemps que l'on n'a pas réessayé. Et je vais commencer comme capitaine avec Hansen, ça m'emmerde un petit peu, mais en soi ça me laisse au moins le champ des possibles pour les 11 titulaires. Et le numéro 10, la team, est-ce qu'on va commencer de bonne façon avec Ronaldinho? Magnifique! Comme je vous l'ai dit, c'est la tote demain, donc pour ceux qui souhaiteraient préparer la tote, le million de crédit, il est actuellement à 34 euros sur FIFA Coin, le lien il est en haut de la description, et en plus, vous avez un coupon de réduction, fun, vous l'inscrivez juste ici, vous mettez submit, vous recevez les crédits de façon sécurisée, sans risque de vous faire bannir. Je vous ai fait également un tutoriel en haut de la description. Je repars avec mon Ronaldinho, c'est magnifique. Franchement, Ronaldinho, pour commencer la draft, c'est incroyable. Par contre, si tu me mets deux buteurs et que l'attaque, ça va pas le faire. Braithwaite, je peux pas dire qu'il est avec l'attaque, parce qu'on respecte, Martin, on respecte. Passé par le FC Barcelone, passé par Toulouse, et Erling Haaland pour enchaîner à 94 de général. Les milieux de terrain désormais, ça serait bien, franchement, de réussir ce défi juste avant que la tote se sorte. Comme ça, on fait le 127, on se dit qu'on n'a pas de regrets et que ben, on a fait le taf, quoi. On a fait le taf jusqu'au bout. Et puis, de toute façon, avec les tots, je pense que le 127, il va se faire assez facilement, même ce week-end peut-être. Hein, je pense ce week-end, je vais réussir à avoir le 94 en haut à gauche. Mais j'aimerais bien le faire aujourd'hui. J'aimerais bien le faire aujourd'hui. On va en défense. Pour le moment, ça va. Les milieux de terrain, ça passe. La défense, on va partir sur Fofana. Le deuxième défenseur central, ça sent bon. En vrai, ça va. Carles Puyol, du coup, à 90 de général, que l'on va choisir. Qui, je crois, peut jouer défenseur aussi. Et on va pouvoir l'intervertir si on veut avec Carlos Alberto. Regardez-moi ça. Hop, la polyvalence de la team. On a Lothar qui peut jouer en défense. Je vous le dis, le potentiel de la draft est monstrueux pour le moment. Mais après, ça peut changer. Nashweng, côté gauche ou Ostmeier. Parce que Allemagne, on part sur l'Allemagne. Et côté cage, nous aurons qui? Nous aurons... Alors, triangle blanc, vous m'avez dit que ça va pas être fou. Et vous avez raison. Hein. Vous avez toujours raison. De toute façon, Gregorio à 85 ou Olive pour le col. À partir sur l'Italie, 91 de notes. Je pense qu'on est quand même assez loin d'un world record. On va tout donner. On va tout donner. Première tentative. On a tout de même des grosses notes avec Bright qui va avoir sa place ou pas. Je sais pas. On va quand même l'intégrer. On va la mettre dans l'axe. La défense est plutôt bien. Carles Puyol, c'est cool. Côté gauche, il faudrait peut-être Maldini. Tu vois. Maldini, ce serait pas mal. Frimpong, le prendre comme ça, ça me dégoûte. Mais vas-y. Je vais maintenant au niveau de la réserve. Allez, c'est ton moment. It's time to me donner Zidane. Magnifique. Zizou. Là, on prend Zizou. J'ai pas d'hésitation à avoir. Je vais remplacer qui Allez, on va mettre Zidane. J'allais l'appeler le gars du honneur. Frérot, faut respecter Zidane qu'on va mettre au milieu. Il y a Lothar aussi. Et on a Andrea Pirlo que je vais choisir de suite. Qui peut jouer milieu de terrain. On va faire ça plus hein, en termes de col. Gardien, ce serait tellement incroyable d'avoir un gardien de fou. Allez, il n'y a pas de couleur. Ça devrait être incroyable. On a du deck. C'est pas si fou que ça. Je vais quand même partir sur du deck. Ça me donne plus un. Mais c'est dommage, quoi. C'est dommage. Buteur, ce serait incroyable d'avoir un remplacement pour Martin Braithwaite. Gianangel Di Maria à 83 de général. Buteur maintenant pour remplacer Martin. Et on fait le world record. Allez, Pelé. Prince, c'est qui? C'est... Ah, c'est peut-être une femme. Oui, Brigitte. Ah, Birgitte. Non, c'est sûr. Je connais pas de Prince, en tout cas. Je pense que c'est une Gaji. Donc, je vais la mettre en pointe. Et ça fait 33 de colle, 91 de notes. On est sur un très, très bon score. Je veux un défenseur gauche désormais. On n'a pas de possibilité côté gauche. On va trouver un milieu de terrain. Pour terminer ces remplacements, on a Marco Reus ou Odegaard. Lequel va m'intéresser? Franchement, allez, on part sur Marco. Et je vais désormais, là, sur les trois dernières possibilités, il me faut un DG. Et peut-être qu'on va y arriver. Hein. Peut-être qu'on va faire une très belle draft. Oh, Joao Cancelo. Je le tente, hein, Jao. Ah, et quoique Gossen, ça rentre. 88, je suis fou, moi. Mais bien sûr, ça va rentrer. Hop, on a deux icônes allemandes. Je le mets ici. 88 Gossens, pourquoi se fatiguer la testasse quand on a déjà la solution? Merci Gasports. J'enchaîne avec un Raspadori, un 88, qui va être choisi. On va faire un très très beau score pour cette première tentative. Et on va terminer avec un Karim Benzema, KB9V. Première draft de la vidéo, première tentative, 7 icônes au sein de ces drafts. Ce n'est pas assez, je veux plus d'icônes et un meilleur score. On va repartir pour une deuxième tentative. C'est parti, choix de la composition, 4 trois offensifs, je fonce. Je ne réfléchis pas et je vais directement choisir en tant que capitaine. Mid, oui, je le sens, c'est bon, on a le world record et on va en pointe maintenant avec le roi Pelé qui va tomber et ce sera Thierry Henry finalement, c'est très très bien que je vais pouvoir caler ailier gauche dans mes souvenirs, donc ça c'est cool en termes de changement de poste. Jairzinho, regardez ce que je peux faire si j'en ai envie, tac,
Tac, voilà, voilà. Je change les plans. Le MOC maintenant, aïe. Non, donne-moi un gros joueur. Rugbinson, ça va en soi. Dans un choix vert, ça passe. Les deux milieux de terrain, on veut deux masterclass. La première masterclass, Zidane. Redonne-moi Billy, s'il te plaît. Redonne-moi Billy là. Je veux que des icônes françaises. Aïe. Belgar, l'ancien Strasbourgeois. Il faudrait d'ailleurs changer la photo. Yesports. Je vais recaler quand même la mid côté gauche. On va mettre Thierry Henry, on va arrêter nos dingueries. Et on va en défense, désormais. Avec un Maldini qui va sortir à la fin. On va avoir Carles Puyol. C'est bien. C'est bien, c'est une icône, je prends. Encore un défenseur iconique. Il était là, en fait, Maldini, il était bien là. Mais c'était à droite qu'il était. À droite, maintenant on y va. Allez, on a battle. C'est ton moment, ça fait longtemps que je t'ai pas vu. Ça me ferait plaisir. Ah ben, elle est là. Mais je vais pas la sélectionner. On va partir sur De Marcos. Et on va espérer avoir Ona Battle en Totti. Côté gauche désormais, Roberto Carlos. Très belle draft pour le moment. Il faudrait juste remplacer Bellegarde. Et le gardien, ça va être bon. Parce qu'on a Van der Sar. Et qui sait de Van der Sar ou de Casillas qui va m'être le plus utile. Je pense qu'Iker. Franchement, il y a déjà l'icône espagnol. Vas-y, ça part sur le grand Van der Sar. Bon, le milieu. Je vais essayer de remplacer ça maintenant. Si on y arrive, c'est masterclass. Ouh, la team. Frank Lampard qui va faire son apparition. 33 de colle, 92 de notes, c'est magique, c'est masterclass. Je vais en défense maintenant, il faut enchaîner avec les grosses notes, hein, parce que sinon on est mort. On est foutu la team. Acuna, c'est la plus grosse note, on va choisir ça. Je vais au niveau du dernier remplaçant. Aïe. Allez, un gros joueur, Léo Messi. Ça m'emmerde de le prendre maintenant. Putain, c'est peut-être une erreur que j'ai fait. En même temps, là, je pouvais pas le prévoir, le Léo. Et on me redonne un 89 avec 10 balles. J'ai eu 3 choix argentins. Ce serait bien de me redonner là du gros joueur en MOC. Aïe, on va voir Moussiala, 89, ça retombe un peu. Léo pour le moment va être en numéro 10. Mais qu'est-ce que j'aurais aimé l'avoir en Totti là. C'est le Totti minimum en fait pour faire le world record. Ruud Gullit. Non, pas comme ça, pas après tout ce que tu as fait. Pas à 91, je suis désolé mais je le prends. Parce qu'après il reste pas beaucoup de choix. Mais ça me frustre, ça me déclenche des spasmes, frérot. Karim Benzema que l'on va prendre. Kavino et Velototi. Avec Ona Battle, elle est là. On la sentait venir, Ona. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai Ona Battle. Je pense qu'on va prendre Ona Battle. Même si j'ai Loveran qui me tente bien. Parce que du coup, ça ferait le changement avec mine. Mais là, ça fait plus 8. C'est énorme. La défense, c'est au complet. Le milieu. Putain, le Messi il me fait chier un peu. Quoi. Ah ouais, il me faut 97 défense. Est-ce qu'on va trouver un gros défenseur? Bichent, à 90. Il m'aiderait pas. Mais en même temps, je vais quand même le sélectionner. Ona Battle, je sais qu'elle a cette faculté à jouer à gauche. Purée, ouais. Je sais que je peux être Maldini à gauche. Ona Battle à droite. Putain, ouais. J'ai des petites idées. Mais bon, c'est peut-être Carles Puyol qu'il faudrait changer. Là, on me donne Paulo Futré. Mais j'ai surtout fait une Puskás. Et là, Puskás, je le mets en pointe. Henry, je le mets à gauche. J'ai mes idées déjà, la team. Et je vais faire ça. On met Thierry Henry à gauche. Puskás en pointe. Est-ce qu'on peut faire le world record? Est-ce qu'on serait pas sûr de très bonnes bases? On va mettre Gullit à la place de Moussiala. Allez, faut passer à 93 là au bout d'un moment. Qu'est-ce qu'il faudrait changer? Putain, c'est le dernier joueur en soi qui va tout changer, je pense. On va faire le gardien, qui sera merdique, malheureusement, en termes de notes. Mais bon, c'est pas grave, on s'y attendait. On reste sur du 92. Est-ce que le 93 se fait la team? Non. Donc ça va dépendre de ce joueur. Est-ce qu'on va faire le 126? C'est maintenant. Allez, yeah. Il me manquait juste un défenseur droit et je pouvais faire la full icône en soi. Même un DC. Un DC parce que Carles Puyol, je peux le mettre à droite. Donc si j'avais eu cette idée-là, et j'avais eu Laurent Blanc, hein, j'aurais pu le faire full icône, ça aurait été magnifique. Faut que j'y pense la prochaine fois. Choix de la compo 4-3-3, ce serait pas beau. Ah, moi je veux, hein. Ah, moi je veux tenter. 4-3, on va tenter l'expérience aujourd'hui. Des compositions diverses et variées avec un choix de capitaine. Masterclass, Paolo Maldini pour commencer. Ça c'est super, ça c'est un super démarrage. Les milieux, bon j'en fais un, je sais pas pourquoi je suis allé là, de base je fais les attaquants, après je fais les milieux. Mais bon, on a une joueuse du Paris Saint-Germain. On va sur le buteur, Van Nistelrooy ça m'intéresse. Je pars sur Van Nistelrooy, même si Mbappé peut jouer ailier gauche. Mais ailier gauche, on va avoir Ronaldinho, pourquoi prendre Mbappé? Et quand Franck Ribéry arrive, ça me rassure, c'est bien. On a 3 icônes pour le moment sur 4, et à droite on va avoir Jairzinho. Garincha, c'est un collègue, c'est un ami, c'est très très bien aussi, que je vais choisir. Pour le moment, on est sur une très très belle draft. Si ça enchaîne, si ça continue, ce sera incroyable. Bernardo Silva peut jouer à D en plus, hein. Il peut jouer à D le monsieur, mais bon, ça servira pas pour le moment. Garincha est là, il est posé, et le prochain milieu, oh lolo, alors là, j'ai envie de prendre De Jong en fait, parce que De Bruyne, il peut être Totti,
Et De Bruyne, Totti, en soi, il peut tomber, il ferait du bien quand même. Hein. Donc on va partir sur un De Jong. Côté défense, là je suis tellement bien, je peux partir sur qui je veux vraiment. Pasquero, on part sur la joueuse. Pedro Porro, côté droit, à 90 de général. On va avoir... Oh, Cole. Eh, Cole, ça va donner du Cole, tu coco. 90, 28 de Cole. Je vais rajouter un petit Joe Cole. Après, je les Cole, mais pour le moment, on va avoir un Stanek à 76. C'est atroce. Défenseur central. Changer. Bon là là, Pasquero, Carlos Alberto, mon ami Carlos, incroyable, qu'on va mettre dans l'axe. On a full collectif, maintenant c'est fait la team. Allez, on enchaîne. Maintenant ça dépend d'eSports, je veux que des masterclass. 1,89 avec Vardiol. Ok, je prends. Je regarde un peu les changements de poste, il peut jouer défenseur gauche. Ok, ça ne me servira pas pour le moment. Je réfléchis aussi pour faire la full icône, hein. Je le sais, je le mets sur le Teco. Xavi Simons, 87. On part sur Xavi Simons, encore en milieu. J'enchaîne. Je sais qu'eSports va me le donner, ce World Record. Stoïkov, 90. Il me servira que Chi, mais ça fait un joueur de plus pour la full icône. Donc c'est bien. Attaque, buteur. Un buteur Cruyff. Non, je peux pas. Là, je prendrai pas Gullit, les gars. Je ferai pas l'erreur. Même si c'est pas une erreur en soi, hein, vous pouvez le faire, vous pouvez prendre Gullit. Mais si j'y l'ai en 94, là, ça serait trop trop beau. Et le dernier joueur que l'on va avoir en termes de remplacement, Grimaldo. Bon, on a fait les bancs. Des remplaçants, on a fait les titus. On va terminer avec Neuer, que je vais mettre d'ailleurs titulaire. Et je suis un peu déçu. Il va falloir maintenant que des masterclass. La première cartouche m'a l'air ignoble, avec David Costa, que je respecte beaucoup, mais qui malheureusement n'a que 85. Ça suffira pas pour faire le world record. Il faut 95 minimum. Kylian Mbappé, c'est bien. Est-ce que je le prends? Ça, c'est une question. Ouais, je vais le prendre quand même, je vais le prendre, parce qu'on est sur la fin. Ça va nous faire passer à 91, donc c'est déjà bien. Trois choix maintenant. Putain, j'y crois pas trop, je vous dis la vérité. Hein. Après, eSports peut me faire mentir, mais en règle générale, eSports, ils vont pas faire de cadeau à la fin. Raspadori à 85, et pour terminer, que des choix de merde. Que des choix... Ah non, ah je peux pas dire ça, KB9V. Ouais, ça va être une galère d'intégrer Karim Benzema. On va se fatiguer la tête pour rien, je suis pas là pour me fatiguer la tête. Après, il y a l'Europa League, on est chill la team. On va se détendre et on va rester sur du 124. Première draft de... Ouais, je le dis, de merde, voilà. Après, il y avait un super démarrage avec un Maldini 94. Ça donnait envie de voir ça, quoi. Ça donnait envie. Et finalement, on va terminer. Pas terminer de bonne façon. Avec Hudson, 91-33. On termine pas bien, mais quand même, il y a combien d'icônes? Je pense qu'il y en a ouais, 8, ok. Est-ce qu'avant la tot, on va avoir ce 94 en haut à gauche? Le 4-3-2-1 nous donnera la réponse dans quelques instants. Choix du capitaine, Karim Benzema, pour commencer. Ok, je vais partir sur Karim et on va directement sur le buteur pour peut-être avoir notre réponse à cette fameuse question. Ça commence mal en vrai, hein. Ça commence plutôt mal. Je sais pas ce qui se passe, ok. Il n'y a que des régulars pour le moment et le dernier... raté qu'on va me donner, et Zola, à 91 de général. Bon, je suis un peu déçu, je suis un peu dégoûté. Je vous dis Thiago, 84, ok. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. Oliver Torres à 79. Et le dernier milieu de terrain, Lothar ou Xavi. Allez, on part sur Xavi, et puis on va espérer avoir des gros défenseurs. Au moins, la défense, tu vois, des trucs qu'on n'a jamais vu. Laurent Blanc, ça, c'est une belle nouveauté, je l'ai jamais vu. Le deuxième décès, oh, bah, qu'est-ce que c'est ça? Sous le... Allez, ah, je suis saoulé là. Pour le moment, eSport, c'est pas fou. Zambrota, ça va remonter un peu. Après, je vous dis la team. Si je propose la vidéo, c'est qu'on a eu que des icônes au niveau des remplaçants et des réservistes. Parce que là, je vois pas d'autres possibilités. Ou sinon, je la mettrai à la poubelle. Zettner ou Hunterstein. Allez, on part sur Zettner. En soi, le score est vraiment bien. Mais il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 régulars. C'est trop bizarre. Ça fait depuis longtemps que j'ai pas eu des choix régulars dans les titus. Pedro Porro, ok, bon, déjà j'ai une idée, on va faire Zambrota côté gauche, et Pedro Porro côté droit. Cette draft me semble intéressante finalement, parce qu'il y a matière à améliorer, et ça me plaît. Roussillon à 76, on s'en fout, il y avait le 117, je crois que c'était Vanderson, mais bon c'est pas grave, on mettra dans la réserve. J'ai un Bruno Fernandes qu'on va choisir, et qu'on va du coup mettre à la place d'Oliver Torres. Allez, hein, que des gros choix de toute façon, là je suis voué à ça. Denis Bergkamp. Hop, à 92, qu'on va mettre. Buteur. Il me faut un athée ou un buteur, mais minimum Cruyff, tu vois. On va me donner Messi. Ouais, Léo. On va le mettre là, à la place de Karim. Et je vais aller maintenant sur la réserve avec Raoul Puskás, 94. Mais vous le voyez, hein, c'est pas les meilleures versions. Je suis un peu dégoûté. Je suis dégoûté. Après, là, peut-être que ça va changer. On a Battle, c'est magnifique. On a Battle, là. On va la sélectionner, on va la mettre côté droit.
Et gardien, on va le faire. Allez, c'est maintenant la remontada. It's time. La théorie des carrés blancs qui se valide une fois de plus. On va mettre Di Gregorio. Et on va enchaîner maintenant avec le prochain. Totti. Non, ce sera une icône avec Ashley Cole. Ou Eusebio. Je pense que Cole, là, c'est pas mal en soi. Après, il n'y a personne que je pourrais jouer dans l'axe. Si ce n'est... Ouais, non, bah vas-y, hein, ça part sur Cole. Hein. Eusebio, de toute façon, je peux peut-être le prendre. Mais en soi, ça va peut-être le faire là avec un autre buteur. Va rentrer Alisson. Allez, ça part sur Alisson. Tac, on le met maintenant. Alors, elle est pas incroyable à moins qu'un grand joueur arrive. Francescoli, 89. Et pour terminer, la draft, oh, pas folle. Hein. Il va me falloir un coach allemand de Bundesliga pour Schüle, ou alors portugais ou Première Ligue. Enfin, l'un des deux, quoi. Hein. Pas les deux cumulés. Normalement, ça devrait le faire. Et on va voir la Première Ligue avec Abdelhadji, que l'on va sélectionner. Le collectif, il va se faire. J'ai quand même envie d'avoir votre avis sur des drafts comme ça. Est-ce que vous la jouerez? Ou alors, vous, tout simplement, vous en relancerez une. Vous essayez de retenter l'aventure draft. Et pour la prochaine composition, une compo avec trois défenseurs. On va tenter et voir si ça nous réussit. Là, tu vois, un petit capitaine défenseur, ça m'aurait aidé. Litmanen, Yaya Touré qui peut jouer milieu de terrain. Litmanen qui peut jouer Mossé. Je suis à deux doigts, même si Lewandowski c'est la meilleure note. Je vais partir sur Litmanen et qu'on va jouer du coup numéro 10. On va sur les buteurs. Allez, les gros buteurs, eSport, c'est le moment de se réveiller. Hugo Sanchez, on va commencer par le joueur mexicain qui va être accompagné de Didier Drogba à 94. C'est bien. Allez, on enchaîne avec un David Beckham, s'il te plaît, à la fin. Ça va, ça va. Nico Williams, pas nul, 89, qu'on va pouvoir intégrer. Minimum 89 eSport. C'est la logique. Pour le moment, on va avoir David Ginola qu'on va choisir. Qui peut jouer MOC? Ça m'intéresse. Les deux MC, est-ce qu'on a bien fait de ne pas prendre Yaya? Oh, le milieu, il est atroce. Pedri, 86. La note, elle est faible. Allez, yeah, je crois en toi. Avec un petit tot, on va voir Lampard. Les tots, pour le moment, c'est pas là. Je suis un peu en avance, mais vous en faites pas. Avec la tot, ça va être incroyable. Cordoba, wow, première fois qu'on l'a en vidéo. On va bien évidemment l'intégrer dans la draft. Le deuxième décès. Eh ben, je crois qu'en fait, c'est les compos de trois défenseurs qu'il fallait choisir depuis le début de la vidéo. Là, je vois que c'est incroyable. Les décès, ce qu'ils me proposent, c'est fou. Et le dernier décès, est-ce qu'on va terminer en beauté? On va me donner Hernandez. Ça m'emmerde un peu de le prendre comme ça. Mais vas-y. De toute façon, il y a tellement de latéraux Totti. Et on va le prendre. Le gardien maintenant, encore un Totti. C'est magnifique. Que ça, on a Petr Cech, 92 de notes, 33 de collectif. Je parle de Pedri, c'est vrai que j'ai été un petit peu méchant avec Pedri, pourtant je l'adore, hein. je l'aime d'amour, mais là, bah, il faut le changer. Donc on va aller chercher un milieu de terrain pouvant jouer milieu MC, comme Patoche Vieira, Patrick Vieira, le grand Patrick, que l'on va mettre là, ça fait moins 1. Donc là, il va falloir comprendre que le Nico Williams, il va lui donner du col ou le remplacer. Est-ce qu'il y a un collègue qui peut jouer MD par hasard sur les titulaires? Il n'y a personne. On va trouver un défenseur de nom de Frimpong Team of the Year, ou alors Cafu. Magnifique, je prends Cafu, je prends Nesta. Ah là, le choix, il est compliqué parce que défenseur central, vous savez à quel point c'est dur d'avoir un gros décès. Et Cafu en soi, je pense que je peux encore avoir un MD. Donc vas-y, je vais prendre Nesta, on va le mettre dans l'axe. J'espère ne pas me tromper la team. Je pense ne pas me tromper, je pense. Et on va maintenant essayer de re-avoir Cafu, peut-être, direct. Allez, 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 hop, hop, hop. On apprend comment faire les drafts. Incroyable, magnifique. Je vais maintenant au niveau de la réserve. On veut un milieu de terrain, un gros joueur surtout, c'est ce qu'on veut, un buteur. Kerr, j'aurais pu l'avoir en Totti, c'est dommage. Qu'est-ce que je peux faire là pour améliorer? Déjà, j'ai Ginola, que je peux mettre MOC, ça je sais. MG, ouais non, il n'y a personne pour le moment, il y a des gains, il y a des gains que je peux caler. Je vais trouver un prochain milieu de terrain pour m'aider. Allez Zidane, Camille Abili, magnifique, 94 de général. Joueuse intéressante que l'on va intégrer, et je pense même la mettre MOC, voilà, hop. Oh là 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 là, la raft elle est folle. Allez, 93 dès maintenant. Comme ça, on se donne le droit de rêver. Non, ça veut pas. Quand ça veut pas, ça veut pas. Gardien, je le fais, mais il sera nul à Yesh. On le savait. Ah, c'est dommage. Mais au moins, je sais que les champs, les genres de champs seront bons. Buteur. Allez, un bon, un Cruyff. Un joueur incroyable. Louis, enchanté. Je suis dégoûté. Je suis toujours à 92. Là, je suis un peu moins dégoûté en soi. Ça va, ça va. Allez, hein, on va me donner un Pulisic. On est toujours sur 92. C'est là où je me dis c'est fou. Et je pense qu'on peut vraiment faire un world record. Mais ça dépend d'IA. On a 4 choix, 4 belles possibilités. Un MG, un MOC, ce serait incroyable. Un Ronaldinho, un Pelé. C'est maintenant. Sortez Svitkova, que je ne connais pas.
Trois choix encore. J'en ai marre. Oui, le Totti, allez! Mbappé! Kylian, putain d'Mbappé, la team! Incroyable qu'on va pouvoir intégrer. Oh là 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 là. Sanchez, qu'on va mettre là. 93, c'est pas fait. Pourquoi? Bordel. Qu'est-ce qu'il y a? Je comprends pas. Qu'est-ce qu'il faut encore? Je sais pas là. Je suis au max. La défense, c'est bon. 92 minimum, les titulaires. C'est vrai que par contre, les remplaçants là, c'est pas fou. Il va me falloir. Pelé. Allez, allez le roi. Allez, le Totti à la fin. Non, il n'y a pas. Il y a Messi ou Diogo Jota. Qui je prends? Je vais essayer d'aller au suspense. Messi, je le prends pas. Et je vais essayer d'aller viser le Messi Totti parce qu'il tombe très souvent, très régulièrement. Est-ce que je fais une erreur? Sûrement. Parce que je pense qu'un point, ça se joue. Mais je vais aller jusqu'au bout de ma connerie. Léo Messi, Léo, mais je suis une grosse merde, frérot. Je le savais en plus qu'ils allaient me troller. Cody Gakpo pour terminer. Est-ce que Diogo Jota, ça suffira pour faire le 93? Aïe, on va pas le faire. 93, tu vois, je te dis 93 de notes minimum. 93, comment on n'arrive pas à faire le 93? Est-ce que le Messi aurait changé quelque chose? Je sais pas. Mais dans tous les cas, bon, on l'a pas pris, on va pas regretter. On était loin du 94. Allez, mon pun, ça sera l'une des dernières avant que la tote sorte. Je veux ce score de 94 en haut à gauche s'afficher sur mon écran. Et le 4-3-2-1, je vais encore retenter parce que c'est une compo incroyable et je veux réussir. Je veux réussir le world record, même si tout à l'heure ça nous a pas trop réussi. Et là en soi, bah, les capitaines, wow, ça va être compliqué, hein, franchement. David Ginola, on va le prendre, mais bordel de merde. Ça commence pas très bien. Ah, tu dis comme ça, en plus on me le donne en 91. 94, ça aurait été parfait. On me le redonne, là je le prends. Hein. Le 94, Johan Cruyff. On va choisir Johan. Et le buteur. Au panda. Un 88 de général. D'accord, on commence sur un démarrage assez timide. En soi, on a des grosses notes. Mais est-ce que je suis rassuré? La réponse est non. Le dernier milieu de terrain, ça va être Majerie. Alors en soi, ça, il faudra juste remplacer Ginola. Et la défense, s'il te plaît, que des gros joueurs. Upamecano, Tomori. Je vais partir sur Tomori à 88 de général. Encore un grand défenseur. Allez, Vidic, Nemanja Vidic, 94. Ça, c'est magique que je vais pouvoir intégrer. Allez, j'y crois fort, j'y crois fort. Côté droit, on a qui? On a l'Arthez, la joueuse de Bordeaux. Et on va maintenant côté gauche, eSports. Allez, c'est ton moment de donner le Totti. Bon Pastor à 93, c'est magnifique que je vais pouvoir intégrer. Côté cage désormais, on sent le joueur à 85. Quand on a une couleur blanchâtre comme ça et Provedel qui va du coup compléter cette team. Je veux un milieu. Je vais aller après quand même chercher le milieu. Je vais juste aller maintenant trouver le DD du nom de Boé, du coup, qu'on va mettre côté droit. On va remplacer la joueuse de Bordeaux. Encore un défenseur, parce que je le sens bien. On y va. On se donne la chance et on y croit. Cole à 89. Pour le moment que je ne pourrais pas du tout intégrer le milieu. David, je t'aime beaucoup, mais là, c'est plus possible. Hein. Il va falloir trouver le remplacement de David. On va avoir un Mac Manaman. Ça peut jouer MC? Non. Culeur, ça peut jouer MC. Donc on va prendre Culeur. Pour le moment, ça va faire plus 3 en termes de collectif. Et puis ben, on va l'espérer, hein. Chercher encore dans la réserve maintenant. Le premier joueur de la réserve d'ailleurs, c'est pas encore, c'est le premier. C'est Cafu qui plus est, magnifique. Le joueur brésilien que l'on va prendre, passer par la Serie A. Je vais maintenant en attaque, trouver un remplacement pour Opanda. Magnifique, Didier Drogba. En soi là, c'est les remplacements là qui sont incroyables. Mais j'aimerais bien voir une draft avec, tu vois, des titulaires de fou, des remplacements de fou, des réservistes de fou. Mais est-ce que ça existe? Est-ce qu'un jour j'aurai cette chance-là de voir ça sous mes yeux? Voir que des choix incroyables, que des choix masterclass avec Barnes. Allez, c'est pas un masterclass, mais vas-y, ça part sur Barnes. Et je vais avoir maintenant cette responsabilité. Bon, déjà on a Yashin, ça déjà c'est cool. Mais on a la responsabilité de terminer cette draft avec 4 joueurs incroyables. Je vous le dis, je le sens bien. Avec, pour commencer, Ronaldo Erdine, magnifique, le joueur brésilien que l'on va mettre à la place de Zola. Zola, je vais le mettre là. L'Arthez, eh bien, elle sera sur la réserve. Et on a encore 3 joueurs, 3 possibilités. Le grand TJ Savanier, le Gaout, que je vais choisir. 91, allez. Zidane, après TJ, ce serait magnifique. Et ben non, on va avoir Dybala, meilleure note. On part sur Paolo, s'il te plaît. Je veux au moins qu'on me respecte, que je vois le 92, parce que sinon je vais péter un câble, eSports. C'est dur, hein, franchement, avant la tosse d'avoir le world record. Je vais peut-être le faire quand même. À 92 avec Dybala, ça se fait. On valide fort. Mais malheureusement, est-ce que le 93 va se faire? Aïe, 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 on n'y est pas. On n'y est pas. La draft, elle est belle. En fait, la défense, 94, 94, 92, 93, c'est très bien. Tomori, un peu faiblard. Duller, un peu faiblard. L'attaque, c'est magnifique.
Non, et là, les remplacements, c'est vrai que c'est pas du niveau que l'on espérait malheureusement. On va quand même clôturer cette draft avec Unai Emery. Et regardez-moi ça, la note de 125. J'en peux plus de voir cette note, j'en peux plus de voir ce score. La draft, elle est belle, la draft, elle est magnifique. Mais je veux maintenant voir une draft avec ce foutu 94 au moins une fois, tu vois. Je dis pas que je le valide, mais au moins voir 94 une fois en haut à gauche. 4-3-3 défensif, on l'a jamais testé aujourd'hui. On va essayer. Voir si ça marche, peut-être. Je sais pas, je suis tellement perdu. Non, ça, je suis pas perdu. Je pense qu'on fait les bons choix. Après, peut-être, j'ai pas la réussite qu'il faudrait pour réussir le world record. Et on va espérer, hein. De toute façon, moi, j'abandonne pas. Vinicius, côté gauche. Ok. Pour le moment, ça va. J'aime bien. Milieu de terrain maintenant. Un gros MC pour enchaîner Pedri. 92 années. On va partir sur le Pedri. Et je vais sur les MDC. Allez, peut-être. Pourquoi pas avec cette composition? Flairer la masterclass. Klose et Oberdorf. Ça serait incroyable en Team of the Year. On va voir Xabi Alonso à 89. Ok. Pour le moment, ça va. Ça va, je suis pas déçu. Pour le moment, c'est très bien. Je veux juste maintenant qu'on enchaîne. Ok, Kohler. Kohler ou Marquinhos? Allez, ça part sur Kohler. Et ben, on va sur le deuxième DC. Maldini. Ok. C'est bien, c'est bien, c'est bien. J'aime bien. Faut que ça enchaîne pour qu'on continue. Odin Battle. Magnifique, côté gauche, allez. Là, c'est le moment peut-être. Roberto Carlos, magnifique. Gardien, allez. Pour le moment, on a un titulaire incroyable. J'ai un peu parlé trop vite. Mais ça va. 92 de notes, 33 de colle. Je vais un peu me rassurer. On fait les remplaçants, j'en fais un. Ok. Marquinhos qui retombe. Marquinhos que l'on va choisir. Je suis sur le gardien. Merde. Je voulais pas de choix vert. On va voir Matsels. J'en peux plus de le voir. Il me fallait un gardien de fou. Je l'ai pas eu, ça va être dur. Ça va être dur. Peut-être dans les réservistes, on va me le donner. Mais je pars pas sur de belles bases. Enfin, partez sur un très très beau 11. Là, il va falloir remonter le coup. Rosicky, 92. Ça peut jouer MC. Ok. Ça ne servira pas. Buteur. Il me faudra un buteur après, hein, c'est vrai. Il faudrait que j'y pense. Les MDC, en soi, c'est pas la grande classe, hein. Enfin, c'est la grande classe. Je dis pas ça. Parce que c'est pas des joueurs de fou. C'est juste parce que la note, c'est pas fou. Puis Klose, ça n'a jamais été un milieu récupérateur. D'ailleurs, Frimpong, que je vais choisir. Magnifique. Frimpong, on va essayer de l'intégrer. Côté gauche, on met Ona Battle. Côté droit, on met Frimpong. Ça le fait. Allez, buteur maintenant. Un buteur. Je pense que je peux l'avoir. Karim Benzema. On va le prendre pour le moment. On va le mettre sur le banc. 1, 2, 3. 3 joueurs vraiment qu'il faut changer là. Vraiment. Allez. Allez. 3 joueurs. Est-ce qu'on peut le faire? Sanchez, ça c'est beau ça. Hugo Sanchez qu'on met titulaire à la place de Kane. Maintenant, on n'en a plus que deux en soi. On peut peut-être réussir à faire au moins le 126. Mais le 94, jamais on va le voir sur ce draft. Jamais de la vie, frérot. Il fallait le voir avant. Déjà, rien qu'avec les 11 titulaires, on pouvait penser que ça se ferait. Mais le gardien, il m'a un peu plombé. Je vous dis la vérité. En dessous, Fatih pour terminer. Ça sera la finalité de ce draft-là. Est-ce que le 93 va se faire? Suspense. Roulement de tambour avec Mittelstädt qui va passer en remplacement de Johan Cruyff. J'ai une dernière joueuse, mais elle ne pourra pas rentrer. Et Cruyff, je le mets titu. On passe à 92 de général. On a quand même des notes faibles au milieu récupérateur, même milieu. Je trouve que c'est pas si fou que ça. J'avais Jairzinho que j'avais comme idée de le caler en pointe si vraiment on n'a pas d'autres possibilités de score. Mais bon, 125 encore une fois la team. On l'a fait rapidement cette draft. J'ai pas timé. Je pense qu'on est en 3 minutes. En 3 minutes, c'était plié. Et je vais partir sur Jonathan. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'arrête là pour aujourd'hui? Est-ce que je retente une dernière fois avant que la TOTS arrive? Je vais tout faire. J'en retente une. Ce sera la dernière avant que la TOTS n'apparaisse. Je vais tout faire pour réussir le 127. Bon, eSports, je crois en toi. Déjà, les compos, magnifiques. Parce que le 4-2-2-2, j'adore. Et le 4-3 offensif, vous savez à quel point je kiffe cette compo. On va tenter du coup le 4-3 offensif. Et j'espère que ce sera la composition de monstre. Pour le moment, on commence timidement, hein, on va pas se mentir avec Hakim Ziyech. Tu as laissé à part sur le joueur marocain, buteur. Allez, c'est maintenant eSports. Faut y croire, hein. Si tu crois pas, tu arriveras pas. Côté gauche, une icône. Allez, purée, mais c'est pas vrai, Sommer. Non, ça va porter sur Emp, la joueuse de Man City. Allez, Emo, c'est maintenant la composition des vainqueurs. Est-ce que ça va se faire? Oh là 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 là. Ouais, je vous le dis, franchement, ça se fera pas. Ça se fera pas. Je suis défaitiste ou pas? Oui, je suis défaitiste. Attends, il y a Nadine. Nadine, elle va me remonter. Le moral. Oui, avec le moral. La défense, maintenant, on enchaîne. Je suis Nadine Angry. Konaté, on va prendre le joueur de Liverpool. Et le deuxième DC, Maldini, Kohler.
Oh, Yashin, ok. Oh, c'est magnifique. Et côté droit, on va maintenant sur Maitland Niles ou Boé. On part sur le joueur du Bayern de Munich. Côté gauche, de Roberto Carlos pour le prix d'un. Magnifique. Allez hop, il y avait Andrew Phoenix sur le deuxième sur le deuxième choix. Et je vais maintenant côté cage avec Petr Cech. Ok, en fait ça va. La compo elle est magnifique. Je veux un défenseur central ou un défenseur droit. En fait, Carlos Alberto, tout simplement. J'ai Frimpong. C'est bien. On va mettre Frimpong. Côté droit, je veux un milieu de terrain pour remplacer le joueur écossais. Ou alors, tout simplement, mettre Ronaldinho en MOC. Ouais, alors Kaka, je peux pas le mettre MC. C'est un peu dommage. J'ai Ronaldinho que je peux mettre AG. On va faire ça pour le moment. Je vais trouver un autre MC. Allez, la team. C'est maintenant la dernière draft avant la TOTS. Réussir ce challenge de 127 avec Nani. Ça se fera pas, hein. Pour le moment, on est loin du world record. Peut-être. Oh, c'est un Litchi magnifique. Attends. Oh, là, ça transforme tout. Là, on est en train de rentrer dans une autre dimension. Je veux un ailier droit pour remplacer Ziyech. On va pas me le donner. Je vais avoir Janssen, hein, 83. Un AD pour clôturer ses remplaçants. On va avoir Vela. Ok, bon, j'ai au moins la solution pour le collectif. J'ai un gardien peut-être en remplaçant qui serait intéressant. Ça, c'est des belles couleurs. Magnifique. On a deux gardiens compétents. Au black. Bon, allez, j'y crois de fou. eSports, 91. Allez, peut-être. Voir le 93 au moins. Premier choix de la réserve. On va avoir Pedro Porro, 90. Ok. Je vais sur le deuxième. Allez. Ça a l'air d'être un choix de monstre. Je vais voir Paulo Futré. Pas incroyable non plus, hein, franchement. Je cherchais un ailier droit. Hein. Je le disais tout à l'heure. On prend Paulo Futré, du coup, que je vais mettre AD. À la place de Carlos Vela. Je veux maintenant un DC. Ouais, DC, ce serait pas mal. C'est la prochaine étape. Si on peut me le donner, ce serait beau. On va me donner Copenickers. Je veux maintenant là. Allez, s'il te plaît. Un DC compétent, performant. J'ai menti tout à l'heure. J'ai dit que c'était la dernière draft. Même si on termine bien, j'ai envie d'en faire une autre. Ouais, j'ai envie d'en faire une autre, la team. Je crois que je suis dévoré par cette drogue qui est le World Record Draft. Et je ne vais pas m'arrêter là aujourd'hui. J'en veux une dernière. Donc, ouais, je vais en faire une dernière. J'y crois, la team. Je sais qu'on va le faire. On va le faire ensemble avec le 4-3-2-1 ou le 3-4-2-1. On a vu que les défenseurs s'étaient cheatés de fou. Donc, on va terminer avec le 3-4-2-1. J'espère ne pas me tromper et avoir 3 DC compétents. On commence avec un buteur ou avec un MC. En soi, Lewandowski, c'est bien. Vas-y, je vais partir sur Robert Lewandowski, le buteur polonais du Barça. Les athées maintenant. Allez, il faut commencer avec des gros joueurs. Hein. Rudulit, c'est dommage, franchement, mais vas-y, ça part sur Rude. Et le deuxième athée que l'on va choisir, Léo Messi, Johan Cruyff. Voilà, ça, c'est des choix qui donnent envie de lancer des drafts. Et ça va être pris, Cruyff. 97. Léo, on le prendra pour tout à l'heure. J'espère qu'il va retomber. Schweinsteiger, à 91 de général, que l'on va prendre. Et le deuxième MC. On va avoir Majri, 92. J'aime beaucoup le début, c'est très cohérent. Côté droit désormais, David Beckham, ça va tomber, je le sais. Il est là, il fait plaisir, le collègue. Côté gauche désormais, je veux Ginola. Mais il tombera pas, Sadio Mané, c'est encore mieux, Sadio. Incroyable, très très bon démarrage. Je veux maintenant 3 icônes incroyables. Est-ce qu'on a raison de faire cette compo à 3? Est-ce qu'on a eu raison? C'est la réponse. Dans quelques secondes, je commence à bégayer, frérot, c'est la fin de la vidéo. On le sent, De Ligt à 88 de général que l'on va choisir. Et dernier décès, on termine avec Paolo. Paolo, il est pas là. Paolo, il est absent. Mats Hummels, il sera présent. Et le gardien, très très belle draft. Moi, je suis très content. Je suis très content de la draft pour terminer cette vidéo-là parce que c'est maintenant 92, on le voit. Faut pas que je me foire maintenant. Je veux voir juste 94, en fait. Juste le 94. Donc, je vais faire un joueur des milieux de terrain. Ah, bordel, va te faire foutrier. C'était gratuit. Federico Chiesa ou Benacer, ouais, ça part sur Chiesa, version... Qu'est-ce que c'est, ça? Qu'est-ce que c'est, cette version, frère? J'ai oublié, c'est quoi cette promo? Oh là là, je voulais juste voir le 94, en fait. Ils m'ont mis deux disasterclass. Bon, allez, maintenant que des masterclass. Première masterclass. Putain, ils m'ont pas respecté, ils m'ont donné deux joueurs qui pouvaient être Totti. Oh là 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 là, disaster class de fou là. Vas-y, ça part sur Théo. Et là, bah, on va tout espérer. Et purée, eSports, vous avez fait quoi là? Vous avez fait quoi? Qu'est-ce qui se passe, dit Marco? Qu'on va choisir, on va le mettre du coup à la place de Mats. Ouais, non, on va laisser Mats finalement. Et je sais pas ce qui se passe là. Je voulais juste voir 94, c'est parti en couille. J'ai Cancelo, Olga, Carmona. Olga, elle peut jouer MG.
C'est intéressant en soi. Vas-y. Allez, Olga. Olga. Allez, Olga. Olga. Bah, après, j'ai Sadio déjà en soi. Et si je mets Sadio buteur, je peux peut-être faire un truc. Bon, on est sur des choses approximatives. J'ai pas trop regardé les changements de poste, mais je sais que j'ai Schweinsteiger qui peut jouer MG. Enfin, j'ai trop de possibilités. Donc, on va les faire à la fin. Je vais enchaîner maintenant. Voilà, Leon Goretzka, ça me remonte un peu le moral. À 92 de gêne. Je vais mettre Schweinsteiger sur le banc. On va mettre Sadio ici. Et on va mettre Mané là. Voilà, magnifique. Et le buteur, est-ce que je peux avoir Messi? Pour me le redonner? Non, il n'y aura pas de Léo Messi. Je vous le disais, franchement, au début, lorsque j'ai vu les 11 titulaires, je pensais que le World Record, il allait se faire facilement. Ouais, alors là, frérot, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je sais pas. Il y a eu un gros bug là dans la matrice, hein, vraiment. Ils se sont dit au départ, on va tout lui donner à la fin. Caput, Gakpo, 86. Bon, au moins, on va me donner peut-être des gros joueurs pour terminer. Mais Trezeguet, frérot, c'est quoi ça? Je vais péter un câble. David Trezeguet, en soi, ça donne du col. Allez, on le met. Mais moins 5, quoi, en termes de score. Et je vais terminer avec un Ronaldo. Bon, au moins, on sauve les meubles. Je pense que la draft sera sympa. Franchement, je pense que la draft sera sympa. On va ranger tout ça, le gardien, pour terminer, clôturer cette vidéo en beauté avec un Gianluigi Ederson. Eh oui, la fin de frappe. Il est temps pour moi d'aller me battre avec les créateurs d'eSports. C'est très bon pour mon cœur. Je fais ça tous les jours 30 minutes et je vous jure que ça me fait baisser mon stress. Une chose importante qui sauve des millions de chaînes sur YouTube, le like. Et le like, il faut le mettre sur les chaînes que vous appréciez. Donc si vous avez apprécié la vidéo, le like, parce que ça permet de dire à YouTube qu'il faut mettre la vidéo en avant. Plein de gros bisous. Je vous dis à demain pour la TOTS. C'était votre Gapon. Ciao.